7, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. On va juste faire le shoot. Ta jambe droite, elle va juste croiser. Comment vous appelez-vous? Alors moi, je m'appelle Solo Gomez. Vous écrivez des contes, d'après ce qu'on m'a dit? Oui, tout à fait. Moi, je suis là avec ce groupe-là et le groupe qui est là. Donc, on a, pour l'instant, elles sont en train de danser. Et effectivement, j'écris des contes avec elles. C'est pas trop compliqué d'écrire un conte avec la musique, tout ça? Avec le bruit autour, je m'inspire un petit peu de ce qu'elles font, elles, au niveau de la danse. Parce qu'après, le but du jeu, c'est de faire un spectacle avec le conte et la danse. Moi, tout ce que j'ai écrit, tout ce qu'on a écrit ensemble pour l'instant, en fait, j'envoie les écrits à Memouna et Hélène, qui sont les deux chorégraphes. Et à partir de là, elles imaginent un peu ce qu'elles vont mettre comme danse, à quel endroit elles vont pouvoir intervenir. C'est bien parce que ça va me donner le rythme à mon compte, tu vois. Il faut que je tienne compte aussi de ce qu'elles font, elles, et essayer de trouver aussi une unité entre nos deux mondes, la danse et le conte, qui finalement ne feront qu'un spectacle, quoi. Et le conte que vous êtes en train d'écrire, ça parle de quoi? Ça parle du déséquilibre du monde. Enfin, ce sont des rats qui vivent dans les égouts, et un jour, il y a un déséquilibre qui se crée. Il y a un des rats qui est le gardien d'une clé qu'on appelle la clé de l'harmonie. Et cette clé, quand elle se manifeste d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'il y a un déséquilibre qui se crée dans le monde. Cette clé, elle a été créée il y a très 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 longtemps, alors que effectivement il y avait un déséquilibre dans le monde des humains. Ils ont commencé à se faire la guerre, ils ont commencé à s'entre-dévorer, et de là, ils ont créé la race des géants. On est parti dans le monde de la féerie. Je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Avez-vous quelque chose à rajouter? Juste dire que après, avec les filles, on va continuer donc la suite de l'histoire. Après, je vais rédiger ce qu'elles auront inventé. La suite arrive, quoi, à suivre. Merci et bonne continuation.